Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, chers amis téléspectateurs, sous Télé l'Église, ou quoi sur l'émission, qui c'est Bible en main, nous fait chaque samedi, 9h PM. C'est Maestro David Desrosiers, et avec moi, des pasteurs qui pourraient commencer avec l'étude. Avec plaisir, nous avons invité pasteur Ali Hubert, c'est lui-même qui s'est fait orateur dans le moment. Pasteur Ali, Télé l'Église, à saluer. Et bonsoir, Maïsou Desrosiers. C'est un plaisir pour moi, à Soya, pour me retrouver sur la plateforme Télé l'Église, et pour nous capables d'aborder un sujet et avec auditrices, auditeurs et Télé l'Église dans le moment ça. Et sujet que nous avons partagé avec. Et traité avec toute auditrice, auditeur, télé l'Église, eh bien, sujet ça, les stipuler les évidences fondamentales du bon combat de la vie chrétienne. Les évidences fondamentales du bon combat de la vie chrétienne. Le monde, mes frères et mes sœurs bien-aimés, depuis après l'entrée du péché, li devenu un monde sous la domination du malin. Et très peu de gens s'intéressent à invoquer le nom de l'Éternel. L'idolâtrie, la méchanceté et l'incrédulité prédominaient. Dieu avait détruit par les eaux du déluge tous les incrédules, et seulement 8 personnes, n'est-ce pas, et allaient repeupler, n'est-ce pas, la terre. Dieu te voulait que l'homme t'ait à l'image li et selon ressemblance li. Mais en réalité, ça t'a pas le passé. C'était si Adam et Ève t'aient mangé le fruit de l'arbre de vie. Et le ça, yo t'a pris l'image de Dieu. L'homme, pas tes jambes vraiment prend l'image de Dieu, mais c'était une projection que bon Dieu t'a fait dans le cadre de promesse, dans le plan éternel. Eh bien, l'homme n'est pas prêt à arriver à gagner l'image de Dieu. N'est-ce pas, en prenant l'image de Christ, et Christ qui est effectivement l'image du Dieu invisible, et c'est lui-même qui s'est emprunté à personne. Donc, Jésus-Christ, c'est lui-même en réalité qui a l'image de Dieu, et nous vînons à l'image de Dieu, nous-mêmes, parce que nous, en Jésus. Et Adam et Ève, ils ont raté l'occasion ça, parce qu'ils n'ont pas arrivé à manger, n'est-ce pas, le fruit de l'arbre de vie. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'homme, n'est-ce pas, n'est pas capable lui-même parvenir à ce standard de vie que Dieu t'a voulu pour lui-même. Il n'est pas capable d'arriver avec lui. Et c'est ça qui fait, c'est bon Dieu, depuis avant la fondation du monde, il t'a pral mettre en place un plan, n'est-ce pas, de salut pour que tout le monde t'a pral capable d'entrer là-dedans. S'il y a croyé dans Jésus, qui c'est l'enfant de la promesse, n'est-ce pas? Si on prend le croix dans Jésus, et le ça, il a pu venir avec lui, il a venu à lui-même, il a accepté Jésus, et il a gagné la vie éternelle, il a gagné la nouvelle nature, il a gagné la nature de Dieu, et il a à l'image de Jésus, qui donc à l'image de Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, donc, bon Dieu fait plan et il va permettre que l'homme va entrer là-dedans. Ainsi, mes bien-aimés, nous va connaître au niveau de la terre plusieurs moments. Plusieurs moments, nous va connaître. Gagner d'abord le moment et de la création, que y aurait le commencement, n'est-ce pas? Et puis, pour le péché
qui entrait et dans le monde. Donc, nous dit le moment du commencement, pour gagner le moment de la promesse, pour gagner le moment de la loi et pour gagner le moment de l'accomplissement de la promesse. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, c'est tout moment ça y est que la terre connaît. Et nous, au courant à travers de la Bible, qui fait nous connaître ça, eh bien, nous connaissons différents moments. Il y a des gens qui peuvent étudier les dispensations, il y a des gens qui peuvent étudier les alliances, etc. Mais en réalité, nous jouons, il y a un moment côté, c'était le commencement, il y a un autre moment, c'était, n'est-ce pas, la promesse, il y a un autre moment, c'est pral la loi, n'est-ce pas, et pral gagner et ce moment où Jésus pral venir, qui c'est le moment de l'accomplissement de la promesse. Mais en réalité, nous gagnons trois temps, nous gagnons avant la loi, pendant la loi et après la loi. Mais à ce frère, mes frères et sœurs bien-aimés, moi t'a aimé et présenter nous sujet ça que moi t'ai déjà annoncé sur les évidences du combat, n'est-ce pas, auquel doit s'engager tout homme et toute femme de Dieu sur la terre, bien sûr, après que l'homme recevoir Jésus, après que l'homme, n'est-ce pas, pour le recevoir et Jésus dans la vie, pour le recevoir la foi qui sauve éternellement. Eh bien, il prend la question de, premièrement, d'un combat pour s'aligner, n'est-ce pas, au système de pensée, n'est-ce pas, à la nouvelle nature que Dieu bâille, n'est-ce pas? Donc, nous dit que gagner d'abord un combat pour que l'homme aligne, n'est-ce pas, à une nouvelle nature que bon Dieu bâille. C'est premier niveau A. Ensuite, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous allons parler tout de le combat pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Et enfin, nous allons gagner le combat pour libérer les captifs, n'est-ce pas, de l'emprise du diable. Donc, ainsi, ces trois éléments ça y est, n'a bien pour nous partager ensemble avec vous, qui représentait un véritable combat que l'homme, n'est-ce pas, a livré contre, n'est-ce pas, contre le malin et contre tête li tout, puisque il doit répondre à Jean bon Dieu vle lié. D'abord, nous dit nous dans le monde, nous fin accepter Jésus-Christ, nous dit nous dans combat. C'est évident, mes frères et mes sœurs bien-aimés, puisque gagner deux forces qui agissent dans le monde, et toutes deux forces ça y est, toutes deux puissances ça y est, intermédiaire, c'est l'homme. Et c'est à travers l'homme, n'est-ce pas, deux puissances ça y est, besoin accompli des saints. Donc, l'homme, l'ivine représente une véritable plateforme, bon Dieu qui a utilisé. Satan qu'a utilisé. Et c'est ainsi que, mes frères et mes soeurs bien-aimés, nous dit un premier combat. L'homme, après le fin converti, pour lui mener, et c'est tout chrétien qui doit engager dans le premier élément combat ça, premier élément lutte ça, premier élément bataille ça. C'est une bataille pour lui aligner système de pensée lui à nouvelle nature que lui recevoir, n'est-ce pas, lorsque il était croyant en Jésus, lorsqu'il était accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur personnel. En effet, mes frères et mes soeurs bien-aimés, lorsque un chrétien, lorsque un monde arrive à recevoir Jésus dans la vie, selon Jean chapitre 3, il naît de nouveau. Jean chapitre 3, enseignez-nous, il dit que moun sa qui recevoir Jésus-Christ dans la vie, eh bien,
li né de nouveau. Le nou di né de nouveau, li recevoir la nouvelle naissance de l'esprit qui nan li, qui nan li à partir de conversion, automatiquement que li nan li, eh bien, li c'est un monde qui né de l'esprit. Donc, la parole de Dieu nous dit, ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Maintenant, pendant que moun a vivre, moun qui croit en Jésus-Christ a vivre, eh bien, yo vini gagner une nouvelle nature. Pas oublier, moun ça avant de convertir, il était dans le monde. Il t'a marché selon le train de ce monde. Il t'a marché selon les convoitises de ce monde. Moun ça a été embrassé le système de ce monde. Donc, le monde, c'est lui qui est incarné dans la vie moun ça. C'est lui-même, c'est selon moun ça, li tap monte, li tap descend, et moun ça, li te yon ennemi. Le fait que li te remé le monde, li tap vive dans le monde, li tap fait tout bagay dans le monde, donc kounia, li vin genyen, n'est-ce pas, mes frères et mes soeurs bien-aimés, li vin fait yon seul avec moun lan, il a marché selon les convoitises de ce monde. Nous songeons à votre chef, à tout ça, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, lorsque le monde fin imprégné toute habitude d'un ou, eh bien, système de pensée ou, c'est pas le système de pensée mondain. Mais là où vient converti, c'est vrai où il y a la présence de Dieu, la présence de l'Esprit dans la vie ou, mais ou pas changer tout de suite, n'est-ce pas? Ou pas radicalement changer. Donc, c'est pas un processus qui va le mener changement, n'est-ce pas? C'est pas un processus, n'est-ce pas, qui va le mener changement qui doit arriver dans la vie ou là pour sembler à Jésus. Et ça fait, mes frères et mes soeurs bien-aimés, parole bon Dieu dit, n'est-ce pas? Non, c'est apôtre Paul qui t'est parlé avec Timothée. N'est-ce pas, qui t'a dit, qui t'a parlé, et c'est 1 Timothée 2, verset 4, qui parle de consacrer, Dieu veut que tous les hommes, n'est-ce pas, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et qu'il, c'est 2 Timothée 2, verset 4, n'est-ce pas, il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, l'homme, après sa conversion, doit être exposé à la parole de Dieu afin qu'il sache, n'est-ce pas, qui il est. C'est pour le connaître, c'est pour lui reconnaître l'identité li, et également quelle est la puissance qui est en dépôt dans sa vie, qui est en dépôt en lui. L'homme, après sa conversion, est appelé à grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, selon 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. L'homme, après sa conversion, a besoin pour lui exposer à la parole de Dieu, la parole de la vérité, afin que lui arrive à connaître, n'est-ce pas, que lui vini, n'est-ce pas, que lui vini, yon l'autre monde, yon l'autre élément, n'est-ce pas, pour capable connaître qui est li devenu, qui est vini. Li vini une nouvelle créature. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'homme en Christ, li gagne une nouvelle naissance, li gagne une nouvelle nature. Car mes frères et mes soeurs bien-aimés, lorsqu'il était dans le monde, son intelligence d'après la Bible était obscurci et il vivait et marchait selon la chair, sans Dieu et sans espérance. Il était pour l'enfer. C'est ça l'homme n'était avant de convertir. Mais maintenant, il vit une nouvelle nature. Mais à partir de sa conversion, il est devenu un enfant de Dieu. Son intelligence est renouvelée et il a reçu la nature de Dieu. Il est né de l'esprit.
en tant que tel, mes frères et mes soeurs bien-aimés, son système de pensée doit être aligné à la nouvelle nature reçue de Dieu. Et pour en arriver là, être exposé à la parole, n'est-ce pas, devient indispensable. Donc, automatiquement que vous venez converti, maintenant, pour système de pensée ou capable d'aligner à nouvelle nature, pour système de pensée ou capable, c'est lui-même qui renouvelé et qui a marché, qui a permis qu'on marche selon l'homme nouveau, n'est-ce pas, selon l'homme né de nouveau, eh bien, pour capable exposer à la parole, eh bien, connaissance parole, la grandir dans la parole, la divinité indispensable pour nous. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, c'est là que l'homme est converti va découvrir la volonté de Dieu pour sa vie. Lorsqu'il était dans le monde, il priorisait les choses du monde. Mais en Christ, sa priorité doit changer. Et là, c'est un grand combat, n'est-ce pas? C'est un grand combat dans lequel il doit s'engager. Ça, c'est une grosse bataille, n'est-ce pas? Pour capable changer maillot, pour capable permettre que le système de pensée ou lui permette que ou agit selon la volonté de Dieu. Donc, tout ça qui est dans le monde, tout ça qui est constitué système de pensée ou d'après Jonte qu'on a marché dans le monde, eh bien, qu'on y a, c'est pas un gros effort, un gros sacrifice, ça va demander. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, c'est pas un gros sacrifice pour lui, c'est pas un gros sacrifice pour lui capable en réalité, pour le capable en réalité, nous dit, et pour le capable en réalité, travail pour lui capable de vivre. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, c'est extrêmement important, ça nous dit là, fort système de pensée à lui matcher avec nouvelle nature que nous gagnons. Donc, mes bien-aimés, l'important pour nous apprendre ça aujourd'hui. Premier combat que nous devons mener, c'est aligner système de pensée nous à nouvelle nature que nous gagnons en Christ. Et nous dit, ça mandé un pile sacrifice. Car cela prend du temps, n'est-ce pas? Il prend de l'énergie pour nous capables d'arriver avec l'aide du Saint-Esprit à la maturité spirituelle. Non seulement, mes frères et mes soeurs bien-aimés, le chrétien doit s'engager, n'est-ce pas, dans un combat pour aligner son système de pensée à sa nouvelle nature, mais aussi il doit se dresser contre le système de pensée du monde et ainsi, n'est-ce pas, le combat dans lequel doit s'engager tout chrétien, tout croyant. Donc, je reprends, non seulement le chrétien, il doit engager lui dans un combat pour lui aligner système de pensée lui à nouvelle nature lui, mais aussi lui doit dresser lui contre le système de pensée du monde. Ainsi, mes frères et mes soeurs bien-aimés, c'est combat ça la donne tout que n'importe qui chrétien, on nous dit tout chrétien doit engager. Donc, c'est un combat pour éteindre tous les traits enflammés du malin, en ce sens. Donc, pas oublier, lorsque vous vivez dans le monde, gagnez toute cause que Satan a fait pour capable de craser. Gagnez, mes frères et mes soeurs, bien-aimés, tentation, gagnez persécution, n'est-ce pas? Gagnez tout élément ça, gagnez les faux docteurs, les fausses doctrines, gagnez les faux prophètes. Donc, en tant que chrétien, vous êtes obligé à préparer où pour capable prévaloir sur toute bagaille ça yo tentation en force surmonter li et lorsque gen fausse doctrine qu'a prêcher obligé prêcher contre li n'est-ce pas à partir de la saine doctrine que a prêché et lorsque gen fausse prophétie yo
faut capable et venir avec la parole et pour capable mettre sous côté, n'est-ce pas, des prophéties qui c'est de fausses prophéties, n'est-ce pas, qui pas gagné pour lui ouais avec la parole de Dieu. Donc c'est parce que on peut prendre connaissance à partir de connaissance dans parole là qu'il faut pour être capable évaluer, n'est-ce pas, prophétie ou attendre yo et qui a venu, n'est-ce pas, des serviteurs du malin, des prophètes de Satan. Donc nous dit combat ça, combat qui était un combat pour aligner système de pensée ou, n'est-ce pas, système de pensée ou à nouvelle nature ou en prend connaissance dans parole bon Dieu, tout ça que ou gagner un dépôt dans ou pour capable prendre conscience de yo, mais tout leur ou instruit ou comme ça. Eh bien, deuxième bataille là, c'est pour aller combattre les traits enflammés du malin. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans Éphésiens chapitre 6, il y a présenté nous à partir du verset 11, rivé juste dans verset 16-17, il y a présenté nous que nous gagnons pour nous gommer, non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les soumissions et les lieux célestes. Et yo ban nous des armes spirituelles que nous doit porter, n'est-ce pas, nous doit revêtir nous de yo même pour nous capables éteindre les traits enflammés du malin, pour nous capables résister dans mauvais temps yo, n'est-ce pas. Donc nous gagner armes pour nous gommer contre les esprits méchants, contre les dominations des principautés et les autorités. Donc il est écrit, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5, nous lisons parole ça, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, là, dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5, nous rendons compte que nous gagnons pour nous gommer contre qui ça? Les raisonnements, contre toute hauteur qui s'élève, n'est-ce pas, contre la connaissance de Dieu. Et comme on a fait, il faut nous amener toute pensée ça, n'est-ce pas, pour nous amener à l'obéissance du Christ. C'est un combat. Ce n'est pas aussi facile pour aller briser les forteresses. N'est-ce pas? Dans ce sens, briser les raisonnements. Ce n'est pas facile. C'est tout un combat. Ça demande en pile connaissance. Ça demande en pile puissance. N'est-ce pas? Ça demande pour nous coller sous bon Dieu. Ça demande pour nous marcher avec bon Dieu. Ça demande pour nous rester dans la volonté de Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés. Donc, en Éphésiens chapitre 6 au verset 16e, nous lisons parole ça yo, comme âme spirituelle. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel, n'est-ce pas, vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mal. Donc, moment tentation yo, moment persécution yo, n'est-ce pas? Et moment côté nous abgoumer contre les fausses doctrines, ou besoin un élément fondamental, n'est-ce pas? Ou besoin d'âmes spirituelles ça qui sont éléments fondamentaux pour capable, n'est-ce pas? Et pour capable prévaloir, n'est-ce pas? Surtout discours, n'est-ce pas, qui contraire à la volonté de Dieu, eh bien c'est le bouclier de la foi. Donc on doit avec la foi ou éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc moi-même avec vous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous besoin armer nous des armes spirituelles pour nous capables camper et résister face à quelle que soit attaque que Satan fait contre nous. Donc c'est un combat, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Nous besoin combattre, n'est-ce pas, dans aligner système de pensée nous à nouvelle nature nous. C'est dans étude parole bon Dieu, c'est étude parole bon Dieu qui a fait ou grandi et qui a fait qu'on est tout ça bon Dieu voulait que ou gagner dans ou, n'est-ce pas, il a faut prendre conscience, la faut prendre conscience, étude quoi faire dans parole là, la faut prendre conscience,
n'est-ce pas, qui ça ou gagner un dépôt dans ou comme bénédiction spirituelle. Et ces bénédictions spirituelles, ça ou qu'on gagne dans ou, qu'on peut utiliser pour aligner système de pensée ou à nouvelle nature et ensuite pour capable combattre, n'est-ce pas, pour combattre contre les traits, hein, pour combattre pour éteindre les traits enflammés du mal. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, notre combat dans la vie chrétienne, il tient lieu dans le croyant, d'abord dans le croyant même, pour aligner son système de pensée à sa nouvelle nature, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Mais, mes frères et mes soeurs bien-aimés, ce combat, c'est un combat surtout pour libérer les gens de l'emprise du malin, de l'emprise du diable. Dans le temps de la vie, pas oublier, bon Dieu, prends-nous, dit fait-nous petit lit, mais nous encore dans le monde. Nous sommes Jésus-Christ, dans Jean chapitre 17, il a prié, n'est-ce pas, pour demander pour bon Dieu préserver-nous, et préserver-nous dans le monde ça. Donc, nous dans le monde là, et nous avons travaillé pour le royaume. Nous avons rempli une mission, qui c'est une mission pour nous capables de retirer le monde dans le royaume ténèbres là, faire passer deux royaumes ténèbres là, à royaume bon Dieu, à royaume lumière là. Donc, c'est un autre combat, n'est-ce pas? C'est un autre combat, c'est un autre niveau d'un combat nous gain pour nous mener. Qui c'est un combat pour nous libérer le monde, pour nous casser chaîne, n'est-ce pas? Pour nous casser chaîne, Satan, marre mounio dans le royaume lien, c'est pour nous casser. Et ça m'a dit, mes frères et mes soeurs bien-aimés, c'est pour nous aller dans l'aventure, ça, pour nous aller prêcher l'évangile, c'est pour nous gain ça, la passion des âmes. Même Jean-Apôtre Paul, ben nous exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20 à 23. N'est-ce pas? Apôtre Paul, nous, elle te voulait dédoubler lui, mes frères et mes soeurs bien-aimés, pour lui capable à le faire nous passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. N'est-ce pas? Avec Juif, avec Juif, il mettait le Juif. Avec moun qui en bas la loi, il mettait en bas la loi, même le pas sous la loi. Avec moun qui sans loi, il mettait le sans loi. N'est-ce pas? Même le pas sans loi. Parce que dit sous la loi de Christ, lui fait tout ça qu'on est pour le capable mener le monde à la conversion, pour le capable permettre que le monde sorti des ténèbres à la merveilleuse lumière. L'apôtre Paul a dit, mes frères et mes soeurs bien-aimés, dans ce même chapitre de Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 9, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, nous-mêmes qui attendons moins là, est-ce que nous avons même zèle ça en tant que serviteur de Dieu, même zèle que l'apôtre Paul t'a présenté à, dans le cadre de combat pour être capable de retirer chaîne Satan Marimounio, hein, la guéo, pour être capable de passer dans le royaume lumière là, dans le royaume bon Dieu. Nous-mêmes, mes frères et mes soeurs bien-aimés, hein, nous-mêmes, est-ce qu'on fait travail ça? Est-ce que vous animez avec passion ça? Pour aller prêcher l'évangile. Ça, pour capable libérer des hommes et des femmes qui dans le royaume ténèbres et qui besoin d'entendre une parole pour qu'ils délivrent. Yo, yo besoin d'entendre l'évangile. L'évangile qui gagne, qui basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour nous capable transférer yo la foi ça que nous-mêmes nous recevons lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, un combat ça, c'est même combat ça là, donne-nous entrer. N'est-ce pas? Dit pas facile. Dit pas facile. Combat ça, nous devons être conscients de lui et nous devons mettre dans nous âmes spirituelles. Ça, nous devons rendre opérationnelles dans la vie, nous des âmes spirituelles et pour nous capables de victoire sous la bataille. Ça, frères et sœurs. Parole bon Dieu te dit, n'est-ce pas? Apôtre Paul te dit, j'ai combattu le bon combat. Et le bon combat, apôtre Paul, n'est-ce pas? T'es là dedans, c'est justement combat ça qui consistait à aligner système de pensée li à nouvelle nature qu'il recevoir. Nous plaidoyer li fait, n'est-ce pas, dans l'épître de Paul aux Romains. Nous est comment monsieur dit qui est-ce qui vient délivrer dans quoi ça, est-ce que li dans une bataille avec propre tête li, n'est-ce pas, l'esprit de vie et l'esprit du péché et de la mort. N'est-ce pas, monsieur Goumé avec lui. Et
de réaliser qu'il n'a pas qu'à faire aucun effort pour le sortir dans le bagage ça, et c'est le sang de Jésus, et c'est Jésus qui est capable de libérer le dans le bagage ça. C'est un combat, nous, toute la donne, mes frères et mes soeurs, bien-aimés. Donc, c'est un combat, nous devons engager nous là-dedans. Et, mes frères et mes soeurs, bien-aimés, faut que nous ayons l'autre Dieu qui peut nous convertir, et que nous devons engager nous dans la bataille pour nous aller casser chaîne bouillon. C'est pour nous casser chaîne sur nous. Et il faut nous goûter tout contre le système de pensée que le monde a gagné. Et c'est là, mes frères et mes soeurs bien-aimés, bataille intéressant et n'est pas facile du tout. Mais bien-aimés, la vie chrétienne, c'est un combat. Et combat ça, il commence dès la conversion. Et il prend fin, l'homme mourit. Ou toujours dans le combat ça. C'est un combat. Pour aligner notre système de pensée à notre nouvelle nature en Christ. C'est un combat pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Et c'est aussi un combat pour délier les cœurs qui sont enchaînés par le diable. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, qu'il plaise au Seigneur de garantir la victoire de toutes celles et de tous ceux qui se sont engagés dans ce combat. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, c'est pour mon Dieu accompagner nous et aider nous. Pas oublier, combat nous la donne, non, ni moi, ni où nous la donne. Le nous convertit, système de pensée nous, qui était système de pensée, maintenant nous devons changer. Nous soyons nouvel monde. Nous sommes l'autre monde. Nous avons la nature de Dieu dans nous. Nous sommes pas capables de vivre selon la chair encore. C'est impossible pour nous vivre selon la chair. C'est impossible pour nous vivre selon la chair dans ce moment ça. Mes frères et mes soeurs bien-aimés. Mais, ça peut arriver que un chrétien marche selon la chair. Oui, parce que la vie de la chair, hein, vivre selon la chair, c'est une nature. Vivre selon l'esprit, c'est une autre nature. Donc, l'on vit selon l'esprit, ça veut dire qu'on a l'esprit de Dieu dans où, ou qu'on a la nature de Dieu. Donc, miracle bon Dieu fait pour changer nature, n'est-ce pas? Ou pas une nature à chair encore, ou gagner la nature divine, et ça permet qu'on le travaille pour système de pensée ou capable tout à fait aligné à nouvelle nature ça. Parce que ou pas dans le monde, ou dans le monde, mais ou pas du monde. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, il faut nous gommer. Système de pensée du monde, n'est-ce pas? Et enfin, pour nous capables, mes bien-aimés, hein, pour nous capables de travailler, pour nous capables de lâcher l'autre monde, libérer l'autre monde qui est en bas en prise Satan. C'était comme ça nous capables de développer, n'est-ce pas, sujet ça pour même les évidences fondamentales du combat, hein, du combat, du bon combat de la foi. Que bon Dieu bénisse. Très bien, merci, Monsieur Loubert, Ali. Nous recevons pile d'informations là et nous avons besoin de moments là pour nous capables censer et partager et guider nous. Et c'est bon, je connais le principe là déjà. Si vous sous mute, vous êtes capable de commencer à retirer sous silence là. Et puis pour nous capables de pas faire un dialogue ou une conversation entre moi avant, mais pour nous capables censer. Bye tout le monde, Mikoa, pour. Déjà, son sujet qui est censé, bon, bon sujet difficile du tout, parce que tout le monde qui a suivi là, nous tous dans le combat. So, si nous dans le combat, c'est normal pour nous parler de combat, c'est ça. Lancé micro à tout le monde, et Kounia là, c'est pour terminer, sous télé-l'église, vous pouvez suivre dans télé-l'église.com, vous pouvez faire interaction, mais si vous prenez le link là, ou déposez le en l'air, soit aller sous Bible Study, et vous pouvez le link ça, et vous pouvez péter dans la tête, computer, net. Et vous appuyez li, enter, et puis la blague directement dans le champ de discussion que nous y Kounia là. So, c'est ça, nous commençons à faire là. Depuis Kounia, tout le monde dit allô, map qui tout passé. Mais qui t'aime commencer avec première question, hein, Pasteur Ali, en attendant que nous attendons tout l'autre monde, nous avons appelé, c'est Pasteur Ali Loubert, et puis, sujet assez, les évidences fondamentales. Du bon combat de la vie chrétienne. Voilà. Pasteur Ali, dernière fois, nous avons parlé de combat. Moi, je t'ai demandé, est-ce que vous êtes capable de tester la foi à travers épreuves?
Vous savez ça, right? Vous venez avec un bagage qui sont similaires, qui viennent avec évidence qu'on y a là. Bon, toujours c'est tester ou bien évidence, nous match de ça ensemble. Est-ce que épreuve a servi comme évidence de foi dans le combat chrétien à mener? Épreuve. Pasteur Ali, est-ce que là? Là? Oui, oui, oui. So? Okay. Est-ce que, bon, me poser encore, est-ce que épreuve capable de servir comme une évidence de foi dans le bon combat chrétien à mener? Dans le combat chrétien, épreuve là, c'est une âme qui permet que ou prévaloir sur lui. Ok, son outil, c'est ça. Mm-hmm. Ok, épreuve là, ok, la foi permet qu'on triomphe de épreuve yo. La foi faut kembe pour pas tomber dans épreuve yo. Mm-hmm. Donc ça veut dire que le épreuve là vini, épreuve là c'est une âme que l'ennemi a utilisé. Mm-hmm. C'est une âme que l'ennemi a utilisé. Mais bon Dieu, pendant la donne, il cherche moi un bas ou pour capable surmonter. Donc la foi vous permet que ou prévaloir ou surpasser ou passer épreuve là avec brio et ou prendre une récompense que ça m'a dit. Donc épreuve là lui permet tout que vous mettez en évidence le fruit de l'esprit. OK. Comme la patience. Épreuve là pas by patience, on est l'épreuve produit la patience, c'est une erreur de traduction. C'est pas épreuve là qui produit patience, non, puisque chrétien déjà gagne le Saint-Esprit, puisque le chrétien déjà gagne le Saint-Esprit et le Saint-Esprit gagne un fruit que il paye et une vertu fruit ça. C'est la patience. Donc, c'est pareil pour Blackboard, la patience, mais lui permet qu'on mette en évidence patience, OK, pour surmonter le moment épreuve. Wow, très bien. Très bien, moi, ça. Et puis, signal, souhait comme là, il y a un autre monde qui t'a pu dire un autre bagage. Est-ce que y a un autre monde qui t'a pas ajouté ton bagage sur ça, pasteur Alidia? Alors, on met levé après ça, le soutien, par contre, si je me trompe. Oui, c'était pasteur Bonnet. Ok, c'était pasteur Bonnet, sans doute, il est en retiré le sous-mute. Si le combat est capable de tourner encore. N'attend l'autre monde. Est-ce qu'il y a l'autre monde qui a l'autre bagage à ajouter? Et la question, c'était est-ce que l'épreuve a servi comme évidence de foi dans le combat chrétien à mener? So, c'était question à ça, et pasteur Ali a bien répondu. So, si quelqu'un l'autre monde qui a ajouté, on l'autre bagaille, on t'a apprécié ça. Alors, excusez, c'est pas une très grande question, non? Mm-hmm. C'est pendant que Pasteur Ali a parlé de épreuve là, tant qu'il dit, Satan utilise épreuve là. Alors, maintenant, qui est-ce qui est auteur épreuve là? Est-ce que c'est bon Dieu lui-même ou bien c'est Satan? Parce que dit Satan utilise épreuve là, m'table plus clair dans la question ça. Allez-y. Dans épreuve là, où jouen la volonté permissive de Dieu, où jouen la volonté permissive de Dieu, parce que si bon Dieu pas vle, si bon Dieu pas vle ou prend, ou pas d'apprendre, mais en réalité, épreuve là, ou bien tentation, il vini du malin. Ok, il vini du malin. Et bon Dieu lui-même qui salve l'épreuve la vini, lui permet que, attends, lui aide pour sortir victorieux dans l'épreuve là. C'est ça bon Dieu fait. Parce que bon Dieu pas mette et puis pour bon Dieu pas mette un bagage pour combattre encore. Vous voyez? Donc, l'essentiel, c'est que lui vini de une force contraire. Lui vini de une puissance qui en face pouvoir bon Dieu. Et maintenant, bon Dieu kounya là, la combat puissance là, n'est-ce pas, à travers ou même. Mais combat qui est extrêmement important, tentation ou bien épreuve la vini quand même. Tentation ou bien épreuve la vini quand même. Et c'est ou même qui prend faire face avec. Si ou son chrétien ou bon serviteur qui obéissant, n'est-ce pas, qui obéissant ou observe avec toutes âmes spirituelles, eh bien, ou sorti victorieux là-dedans. Ça, c'est volonté pas.
Ouais, et mais une des bagages bon Dieu voulait, c'est que li bon zam pour délivrer de épreuve là. OK, nous gen zam pour nous délivrer de mais épreuve là vient d'une force contraire à la puissance de Dieu. Définitivement et non. Est-ce que là pas gagner anti confusion qui veut établir la tentation avec épreuve? Est-ce que forcément épreuve égale tentation? Oui, c'est même pareil. C'est même pareil. Tous deux, attends, que c'est. Je dis comme ça que, si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, je dis aucune tentation ne vous est survenue. Mot utilisé à li apparenté à épreuve tout. Donc, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté ou éprouvé au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dans le cas, parce que Alita l'a dit, épreuve-là a entraîné tentation, parce qu'on a venu tenter pour faire mauvais bagage à partir d'épreuve, c'est ça. Parce que épreuve-là, c'est pour qu'à tomber. Épreuve-là, c'est pour qu'à tomber. Pour pas faire volonté bon Dieu. Tentation, c'est même bagaille là, donc c'est même bagaille en réalité. OK, à la base, deux mots différents, mm-hmm. mais qui peut-être converger vers même bagaille, c'est ça. Qui doit gagner signance, mais c'est même bagaille en réalité. Et pas ce frère, mais still, allez-y. Je pense qu'il y a une belle nuance là-dedans. Alors, ma petite l'autre, mon étudiant. Allez, lis-le, Elle a le fait que je l'ai dit, c'est égal. Vous comprenez ça, mais moi, parce que, oh bon, je vais lever mes lits, sans doute, il va montrer qu'il y a une différence quand même, ou bien une similaire, ou bien une continuance. Tout petit. Parce que frère Meristil, est-ce que vous avez quitté passé au pont pour une intervention? Définitivement, dès que tu dis ça, parce que moi, je ne suis pas totalement d'accord avec l'approche Jean-Pascal aller de façon comme tu as dit là. Et c'est comme si. Mettez le synonyme, même bagaille, c'est ça. Yeah, c'est comme okay. Si tu as voulu mettre exact. Mais quand même, comprendre pasteur là, dans un certain sens, m'a quitté l'autre mon avance. Libre-Sel, Libre-Sel, il y a une similarité tout comme bien. Exactement. Allez-y, pasteur au pont, allez-y. Bon Dieu, béni nous, bien-aimé, mieux. On apprécie en pile et fort et pasteur Ali Jean a toujours présenté sujet très bien avec en pile documentation mais nous croyons que bibliquement nuance là li là entre épreuve et tentation on nous seulement prend Genèse 22 Bible a dit après ces choses Dieu mit Abraham à l'épreuve. OK, c'est bon Dieu après bagaille ça yo, li a éprouvé Abraham. Si n'a le nan ka Job encore le Satan vin faire intervention bon côté bon Dieu. Bon Dieu bay permission hein? Mais c'est parce que bon Dieu connaît qui moun Jobier c'est de façon pour lui éprouver la foi de Job. OK. Donc pourtant tentation en lui-même là nous prend Matthieu 4 tentation en lui-même c'est une action Satan même fait pour le capable briser nous, faire nous tomber dans le péché, et bon Dieu pour te secouer la donne. Épreuve là, bon Dieu permet de arriver pour prouver que le connaît qui moun nous y est, il a compté sur nous. Tentation, son action, Satan entreprend pour le jeter nous, et puis bon Dieu kembe nous. Kembe nous. Très bien. Ya, nous quoi, c'est seul nuance ça là, lié à. Nous avons les plus simples, par exemple, un monde qui est malade. Un monde qui est malade, par exemple, parce qu'il mange mal. Hein? Il mange mal. Il a monté descendre l'hôpital, dépenser l'argent, etc. Donc, son épreuve.
Et bon Dieu qui t'est arrivé, et ça qui fait passer au bon Dieu, épreuve là, c'est à la base, c'est bon Dieu qui est lui, et puis tentation, c'est Satan qui est lui. Pourquoi non, sans ça, nous sommes d'accord là? En principe, c'est un bagage bon Dieu demande pour faire. Si bon Dieu demande pour faire un bagage, bon, il y a traduit, il y a traduit, il y a mettre sur une épreuve. Vous comprenez? Bon Dieu demande pour faire un bagage. Qui s'organise pour faire en tant que serviteur ou bien servant de Dieu? C'est obéir. Vous comprenez? C'est pour obéir, mais pas oublier. Pas oublier. Pour qui ça, Livin? Pour qui ça, nous avons parlé de tentation là? Donne tout. C'est parce que il y a une force contraire qui prend l'agir, qui est capable de faire Abraham pas faire. Ou qu'à tomber. C'était une épreuve parce que madame Abraham n'a pas jamais d'accord. Est-ce que vous comprenez? Pour Abraham, elle va être petite. Et puis, quelque part, il y a des choses qui ont passé dans tête d'Abraham tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, Satan est à tenter. Satan est à tenter. Quelque part, il y a on t'ignore, effectivement, ou capable de prendre. Mais il y a des côtés de la Bible qui disent yo, il y a interchangé. Ok? Il y a la Bible interchangé. Mais miracle, il y a des moments, il y a interchangeable. Donc, tantôt, ou tendez yo parler de prodige comme c'est miracle, ou bien miracle comme c'est prodige, malgré des nuances là-dedans. Yo. Ok? C'est. Définitivement, définitivement. Et quoi? Avec tentation. Très yeah. Bien, et je pense que vous êtes d'accord avec que dans l'épreuve là, vous êtes censé tenter qu'on y a là pour faire ça. Pas bon qu'on y a là. Yeah, so dans l'épreuve, vous êtes tentation à venir. So, nous sommes d'accord dans ce sens là. Nous sommes sous même page là, parce que Ali, apôtre Paul dit comme ça, j'ai combattu le bon combat. Nous tous conversons ça. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice, mais réservée dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8. Ça, nous tous connaissons. Est-ce que vous avez une évidence là, dans le combat, ou bien est-ce que vous avez une évidence là, sans combat, pour qu'on finisse? Par exemple, apôtre Paul Banon là, il montre nous qu'il arrive dans la fin du combat. So, c'est ça que je me demande, est-ce que vous êtes capable de joindre l'évidence ou bien vous cherchez avant le combat à fini? Ou quand vous êtes sur la route là, et puis avant arriver, un mort ou tomber. Donc c'est ça que fait, les compter, c'est juste dans la fin jour. C'est jusqu'à la fin. Okay. Et ça fait d'où j'ai achevé la course. Vous comprenez? J'ai achevé la course et jusqu'à la fin. Parce que à quelques jours qu'on va mourir dans un combat ou qu'on perd du combat et on pas venir combat sous lui. Alors les n'a dit Paul ça nous toujours prendre précaution pour mon pas penser c'est la vie éternelle. Non. Ou perdu l'eau tomber dans combat. Non. Parce que vous gagnez la vie éternelle une fois pour toutes ou pas jamais perdu la vie éternelle. C'est ça. Ça lui a pas une récompense. OK. On va nous bien éclaircir ça parce que en pile monde prend mais interpréter ça pour dire comparer combat tout à et faire trois analogies à peu près. Il va parler de soldats, il va parler de course, ouais lui il va parler de athlète, pas vrai? Donc tout a fait travail ça pour yo, si c'est laboureur là, il va jouer une récolte li, à la fin. Si c'est soldat, li pral fè plaisir à mettre li. Si c'est yon athlète, li pral gagner yon couronne corruptible. Et ça veut dire c'est à la fin tout pral gagner. OK. Mais on va gagner yon couronne incorruptible. OK. So, dans ce sens ça apporte Paul plus parler de récompense après le salut, c'est ça. Naturellement, c'est pour élever. OK. Alors on connaît qui va les monde qui t'a traduit ça pour dire ah, c'est après fin combattre ou qu'on en sauvé. En plus on dit ça, on connaît ça. So, c'est sauver, après ça, ou entrer dans le combat, c'est ça? Oui. Ok, nous mettons clair parce que un peu le monde ne pas comprendre ni comme ça. Parce que, Ali, nous vivons dans un temps côté chargé, bluff, chargé faux, you know, pasteur, faux, apôtre, faux prophète, faux frère, faux sœur. So, comment nous sommes capables de jouer une évidence ou bien nous sommes capables découvrir évidence pour nous dire que frère ça ou bien c'est ça a mené
yon combat. Parce que si nous dans combat ou dans combat, li bon pour me connaître si nous dans même route n'a mené bon combat. Mais comment me ka découvrir ça la caille un frère ou bien on sœur qui dans même combat avec. En tout comment cas, comment découvrir évidence là la caille moun sa qui dans même combat m'a mené. On pas ta identifier li autrement que par les œuvres. Ça va dépendre des œuvres li bon côté ou. OK. Les œuvres de justice li a déjà bon yon idée sur qui moun nan yé. Et ça son premier élément. Maintenant, en plus de ça, si ou gen l'esprit de discernement, wali, si ou gen l'esprit de discernement, ou capable aller plus profondément nan reconnaître à qui est ou à fonctionner. Wali, esprit de discernement. Wali, on reconnaît l'arbre, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Maintenant, ou gen un seul boussole, on nous dit ou gen un seul boussole, c'est la parole de Dieu. Ou gen un miroir, c'est la parole de Dieu à travers lui ou ka gade tout le monde qui évolue bon côté ou. Wow, c'est très bien ça. Et m'ka connecté avec ça, Jacques dit, Jacques de verset 18, il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. So, est-ce que son façon qu'on est capable de demander est-ce que les œuvres capables servir comme évidence bon combat? Est-ce que c'est ça on veut dire? Zevio, en réalité, oui, capable permettre que ou identifier. Oui, il est capable pas tout combat, parce que pas oublier combat ça c'est un combat interne. OK. On va aller interne d'abord. Oui, c'est à l'intérieur de vous-même. Ça veut dire qu'on ne peut pas observer ça parce que c'est pour moi qui est visible, c'est pour moi qui est tangible, c'est ça? Puisque ça ou est en dedans pour sortir dehors, hein, parce qu'il faut fouiller à sortir. Donc, okay. Les fouilles à sortir, c'est les œuvres là, on ne peut pas voir. OK. C'est ça que même tu parlé de Bluffer, monde qui a montré ou semblant, il montre que, you know, son bon frère. Et puis en dedans au fond les camou de tout bas yo et pour tout bon vous comprenez ça me dit là c'est le temps sont le temps avec le temps menti a sauté c'est ça le faux ne résiste pas au temps. I like that bah quand est-ce que l'autre monde qui t'a dit rien avant nous aller dans l'autre question parce que nous aimons entendre plusieurs voix. Il fait plus sens, il y a plus de monde censé participer dans le débat, nous, et ça, c'est un débat facile lié. On a parlé des épreuves, à moins que ce monde qui n'a jamais passé par épreuve, qui n'a jamais eu de problème, qui n'a jamais tenté, sous son chrétien comme ça, so, si j'ai ça, on n'a pas qu'à dire rien la dernière, parce qu'on va consacrer les épreuves, ou pas consacrer les tentations, ou pas connaître rien dans ça. Mais n'importe l'autre monde, chrétien qui n'a pas combat, sont d'ailleurs maintenant des voix où vous censez participer parce que pas tard mais c'est moi à passer à lire avec frère Mercil qui fait tout débat. Est-ce que gain n'importe l'autre monde manque oublié passer au bon parce que au bon merci. Est-ce que l'autre monde qui tape censé ajouter quelque chose avant nous avancer? Attendez et maestro ou pas pour pas jeune épreuve. C'est ça, mais c'est ça que fait me dire que tout le monde qui là aussi, c'est des chrétiens, ils ont tous passé par épreuve déjà, ils ont tous pas you know, tenté déjà. Si vous pensez, ils sont capables de combattre quand même pour avancer pour nous. C'est ça? Quand j'ai fait une question passée dernièrement, et qui t'a parlé de souffrance là, vous songez, donc, pas de chrétien sans souffrance, ni sans épreuve. C'est ça. Moi, frère, mais si on t'y en vibré, est-ce qu'il veut tourner? S'il veut tourner, ma passe de quoi? C'est pas question, non? C'est parce que chaque fois que vous parlez de tentation, d'épreuve, il y a un petit problème avec ça. Il y a un problème que nous avons toujours joint une à partir de l'autre. Mais dire que tentation, c'est épreuve, moi-même, je ne suis pas tombé d'accord. Alors, nous renoncer de ça, oui. Nous disons une nuance, mais pas même bagaille. Je ne crois pas que c'est d'accord avec ça. Tout. C'est ça. Pourquoi nous d'accord dans ce sens-là? Nous avons l'autre monde. Regardez bien. Tentation avec l'épreuve. Et tentation, c'est une invitation au péché. OK. Et Satan directement
c'est Satan directement qui tente ou. Pour et pour là, c'est bon Dieu. Pour le menon a fait yon bagay contre la volonté de Dieu. Maintenant, li vini ak épreuve tout pour le désapprouver ou. Satan vini ak épreuve pour le désapprouver ou. Et dans même sens ça, bon Dieu a le droit permettre épreuve là. OK, pour le faire triompher sur lui, pour le montrer que c'est pas lié le camiser sur. Donc nous dit tentation et épreuve yo interchangeable dans certains cas et dans certains versets dans la Bible. Un exemple c'est 1 Corinthiens 10 verset 13. Ou qui dit épreuve ou tentation. OK? Donc, mais gagne une nuance. J'aime te dire là, miracle avec prodige, c'est presque même bagaille, mais c'est pas même bagaille. OK. Miracle, c'est un phénomène extraordinaire qui défie certaines lois de la nature. Pourtant, produit, c'est un événement extraordinaire tout, mais il pas défié aucune loi de la nature. Okay. Donc, on était changeable, on était changé, mais fondamentalement, épreuve, acceptation, gagnons, ok, mais on compte même tout. Ok, nous confirmer ça, nous t'étions. Je voulais ajouter un petit bagage. Moi, je n'ai pas de problème avec le pasteur Lelzi dans certains cas, mais je pense que il y a un bagage qui m'a avancé, parce que l'homme dit qu'il est capable toujours d'entraîner l'autre. Il y a un bagage qui m'a dit, c'est que Satan a profité du fait que, ou bien dans le moment que, ou non épreuve, pour venir avec tentation. Parce que c'est comme si c'est dans la phase ça, où Vin sens est vulnérable. Parce que nous épreuve. Donc voilà, les profiter de moments épreuve pour venir avec tentation. C'est ça. Même pas quoi que c'est. Il y a un peu de temps. Égale tentation. Mais ça, je connais. Pour qui ça épreuve la vini? C'est ça, vous avez besoin de connaître. Pour qui ça épreuve la vini? Est-ce que épreuve l'avenir pour le permettre de tenter, c'est ça? Est-ce que objectif épreuve là, hein? Est-ce que objectif épreuve là, c'est pour glorifier le nom de Dieu, ou bien objectif épreuve là, c'est pour désapprouver ou? Moi je pense que non, j'aime comprendre l'épreuve là, non pile cas dans la Bible, c'est pas pour désapprouver, au contraire. Au contraire, c'est côté bon Dieu pas jeune plus gloire. C'est-à-dire que c'est côté, par exemple, où passer épreuve là vraiment, où montrer Satan, quel que soit sacrivé, ou a toujours glorifié dans bon Dieu. Moi, je pense que là, bon Dieu a jeune gloire là, puis bien toujours, lorsque dans l'épreuve là, c'est pas pour des d'accord, d'accord, merci. Ça veut dire que dans l'épreuve là, on a deux choix. C'est soit faire bon Dieu plaisir, ou bien Satan venir limiter tentation ou faire tant plaisir. C'est toujours un des choix, oui, dans mitan épreuve là, c'est soit on va faire bon Dieu plaisir ou bien on va faire Satan plaisir. Nous d'accord, oui là. Oui, d'accord. Oui. D'accord. OK, passez Ali. Passez Ali, c'est ça. Nous on là-bas ou dit passez Ali parce que on dit comme ça que Satan toujours entré dans moment épreuve là, toujours entré dans moment parce que nous connaît Satan gagne trois bagages il fait permanemment chaque jour et Bible a dit tout ça. Chaque jour Satan essayer tenter, il est censé accuser, il est censé réclamer. Toi, par exemple, au fond de ma blé, Satan a un job qui fait chaque jour dans la vie chrétien, il tente chrétien, il accuse pourtant, et la Bible dit nous ça, il réclame pour le dire, moun sa maka moun pose, moun mwen, mais ça le fait. Vous comprenez? So, en principe, c'est ça. Ah, nous sommes satisfaits dans le point, nous tapons débat là, pasteur. Ali et nous ca presque besoin fini mais si on l'autre monde qui t'a dit on l'autre bagaille qui pas premier s'il qui pas ou même qui pas passer au bon fond d'abord une chance pour t'a avancer un point passer Ali si on monde déjà gagné le Saint-Esprit dans ou gagne le Saint-Esprit dans ou parce qu'on parlait de ça est-ce que monde ça ca jamais rivé échouer dans combat.
Bien sûr, il a échoué. Par exemple, tu as gagné des serviteurs qui font naufrage par rapport à la foi, mais tu as gagné le Saint-Esprit. Il a toujours gagné. Mais, probablement, ou qu'on est, et puisque c'est une vie chrétienne, c'est une course liée. Et pendant qu'on a couru ou bité ça, ça a arrivé pendant qu'on a couru ou quand même tombé, mais on a levé pour continuer à courir. Wow! C'est très bien ça. Et puis vous tombez. So, dans le sens, si vous ne quittez le Saint-Esprit guidé au nom moment ça, eh bien, quand il y a là, c'est là ça va tomber, mais le Saint-Esprit est toujours prêt pour l'aider au nom de l'épreuve. Bon exemple. Et prends toujours pour exemple ça, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Jésus-Christ dit Pierre, Satan réclamé pour le cribler. Mais moi prier pour. OK. Mais ça qui est important c'est que Jésus-Christ pas capable éviter Pierre tentation. L'étape joindre tentation quand même. Il est prier pour le relèvement, pour la conversion de Pierre. Donc prière là, manifestée et Pierre vient joindre une circonstance où elle est qui favorable à lui-même pour le capable relevé. Et il te dit, l'heure où va convertir, a fermé frère. Yo. Et c'est ça Pierre va le faire lorsque lui, effectivement, il vient reconnaître, il vient prendre conscience qui est lié. C'est ça Pierre va le faire. Donc, tentation, pas qu'à éviter. On nous dit, épreuve là, pas qu'à éviter. Ok? Épreuve ça, pas qu'à éviter lui. Mais bon Dieu, t'es permis. Jésus-Christ t'es prié pour le relèvement de Pierre. Et malgré Pierre était tombé, voilà, malgré Pierre était tombé dans la tentation, hein, puisque c'était rejeté Jésus. Ok? Très bien. Alors, en même temps, on dit bruit tout petit. D'après le bon fini, oui, mais en même temps, on dit bruit. Par contre, est-ce que c'est un monde qui peut parler que tu voulais avancer au bagage? On finit avec l'idée, ça, non, pasteur Ali. Et comment lâcheté, lâcheté, chrétien lâche, comme ça. Comment l'acheter capable d'empêcher nous mener bon combat, ça nous voulons mener. Et puis, vous avez fait conclusion après ça. Et ça va dépendre de Jean Chapeau et l'acheter. OK? Comment ou même, dans qui sens vous pouvez l'acheter? Bon, chrétien qui pas appelé, il fait bac devant situation, qui pas appelé avancer. Ou bien, l'elle rive devant tentation hein, ou bien devant épreuve là, li marche tête bas, li peur, c'est ça, li peur pour l'avancer, pour le combattre. So, est-ce que lâcheté, c'est un obstacle même pour mener un bon combat? Okay. Lâcheté, c'est une preuve que le chrétien ça n'est pas contrôlé par le Saint-Esprit. OK, parce que chrétien pas doué lâche, c'est ça. Rempli. Parce que vous songez, lorsque les disciples ont fait face à menace que Hérode te fait, ils ont arrêté l'apôtre Pierre, mettez en prison. Donc, ça s'est passé. Ils ont à prier. Vous ils ont à prier et ils ont prié ensemble. Ils ont dit, Seigneur, c'est où que tu fais ciel là? Et où fait ciel, et où fait terre? Est-ce que vous comprenez? Et même qui est nous dans le travail là, et voilà que mais yon nan nou nan prison etc. et yo mandé pour libération, yo prié pour libération apôtre Pierre. Ouais dit et puis apôtre Pierre attends, yo prend force, yo rempli avec cet esprit là et travail là al fait. Et yo dit chaque fois yo gen problème, yo menacé, yo la prié, yo pral prêcher, yo met corps dehors al prêcher avec une pleine assurance. Il n'y a pas de peine dans ce sens-là, parce que, puisque l'autre là dans la prison, il n'y a pas dit, mais il y a dans la prison, moi-même, qui t'aime entrer dans la niche, il n'y a pas fait ça. Il y a prié. Okay. Et l'Esprit bon Dieu fait le travail avec une pleine assurance. Donc, un chrétien lâche, c'est une preuve que le chrétien, ça, n'est pas contrôlé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, moi, mais s'il tourne, bien qu'il y ait une conclusion, même qu'on est l'ICA, bon, you know, quelques, ma baou, ensemble après, mais s'il. 1 minute pour nous deux, hein? Après ça pour conclure.
Allez-y, Premier Style. Alors, je comprends une question, là, je t'en ai parlé, mais maman, est-ce que implicitement, c'est prudence, nous t'avons dit dans la place là, parce que je souhaite que c'est le fait que mon a fait prudence et puis interpréter comme lâcheté, parce que la Bible dit simple, soyez simple comme une colombe et puis prudent comme un serpent. Non, nous voulons parler de lâcheté à même. Nous voulons parler de lâcheté à chrétien qui va vouloir mettre main pour porter la victoire qui fait bac devant la situation. C'est de ça qu'on a parlé. Donc, nous clairons ça, allez-y donc, nous éclaircir ça et passer à l'île à tourner encore. Oui, donc il y a la prudence, il y a la peur, il y a l'acheter. Le ou lâche ou manquer ou manquer prendre décision pour bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ou manquer prendre décision pour bon Dieu. Vous voyez? Et c'est comme si n'invite à l'épreuve là. Par exemple, on nous dit ou gain une mission ou pral faire. Ou gen mission pou faire pour bon Dieu, par exemple, ou pral aller dans un espace côté gen pile man bo akou dans la zone. Ou bien on va passer devant Matisse par exemple. Oui, bon, là c'est prudent. Là c'est la prudence parce que ou connaît nèg yo gen zam nan men yo. Est-ce que vous comprenez? Yo gen zam nan men yo. Mais est-ce qu'on connaît pas? Moi ça. D'accord, gen prudence là. Une invitation pour me dal prêter et pour bon, c'est un pasteur qui connaît nous tout et qui gon l'église au Caï qui a prêché pour lui. Oui. Et c'était une semaine conférence. Donc, m'hésitais pour m'aller. Est-ce que vous comprenez? M'hésitais pour m'aller parce que comme passé, Matissa. OK. Alors, passez Ali. Ça, frère, mais c'est dire, c'est différent pile dans ce parce que, pour nous ne pas confondre, des fois, chrétien a besoin de faire prudence pour ne pas dire c'est parce qu'il est brave. Vous comprenez? Il fait le bras franchi. Vous comprenez où vous faites ici? Laisse ça, on était brave et danger. C'est ça. Laisse ça, on était brave et danger, on était allé quand même. Mais on était exercé la prudence, j'ai des séries de machines, moi pas de prendre. Okay. Moi prends des machines, mais on est qui plus porter moins sécurité dans la zone. Dans ce sens, c'est pas lâche ou lâche, mais c'est prudent ou t'es prudent. Tant que naturellement. Définitivement. Frère, ici, nous d'accord avant. Même bien là, comme si de laisser des bagailles, on peut prendre pour bon Dieu comme décision. Exactement. Okay. Allez, c'est ça, c'est là nous y est. Et parce que. C'est pas parce que nous connaissons tel monde qu'on fait utiliser mystique, magie, etc. Et puis qu'on y a là, vous pouvez prêcher l'évangile. Non, pas qu'à peur. Vous prêchez l'évangile. Vous combat avec lui au nom de Jésus. Non, ok. Okay. Passez à lui. Faire conclusion pour nous, pour nous parler. Yeah, donc, conclusion, c'est à d'abord remercier les serviteurs qui t'ont intervenu et qui bien intervenu et qui portaient plus lumière et dans quelques thématiques. Donc, moi, j'apprécie ça. Et en plus, il faut chaque monde qu'on est, peu importe chrétien ou yéa, n'est-ce pas? Et peu importe dénomination ou yéa, du coup, son chrétien, il faut qu'on ait ou passer l'épreuve. Il faut qu'on ait, c'est dans un combat ou yé. Pour qui ça, c'est un combat? C'est parce que vous avez servi un bon Dieu ou fait choix de bon Dieu pour servir et bon Dieu, ça a gagné un adversaire. Automatiquement, que ou choisi pour servir bon Dieu, adversaire bon Dieu, vini. Adversaire, ennemi bon Dieu, vini ennemi, et c'est ça qui fait ou non un gros combat. Et premier aspect dans le combat, c'est propre en dedans lié, c'est dans le système de pensée. Et deuxième niveau, c'est parce que vous gagnez pour combattre contre les traits enflammés, okay? Pour éteindre les traits enflammés du mal, et parce que Satan a vini avec épreuve tout. L'a vini avec tentation, l'a vini avec épreuve, l'a vini avec la prendre initiative pour capable lago dans problème avec bon Dieu pour capable désapprouver ou. Et troisième bagaille noue, c'est que faut qu'on goumer pour capable développer la passion des âmes pour aller détacher, n'est-ce pas, et l'ennemi hein, qui m'a pour aller détacher chaîne qui marre qui marre de potentiel ou encore et de monde qui capable vin petit bon Dieu. Qui sont si on s'en bat griffe Satan,
ou pas retirer chaîne qui marie dans le royaume Satan pour faire passer dans le royaume bon Dieu. Mais j'espère que nous tous connaissons, nous avons un combat. Et pour nous goûter, n'est-ce pas, nous avons besoin de la parole, nous avons besoin des armes spirituelles, la parole pour renouveler le système de pensée, nous, la parole qui permet que nous prenions connaissance, n'est-ce pas, de tout ça que nous gagnons comme et outils, comme armes, comme bénédictions spirituelles dans nous, comme dépôt de puissance dans nous, pour nous utiliser au moment opportun. Et puis, il faut que nous connaissions, nous là pour nous remplir une mission. Oui, pas remplir mission, c'est désobéir à la volonté de Dieu qui veut que nous engagions nous pour nous développer la passion des âmes, pour nous capables de travailler pour nous sortir des ténèbres à la merveilleuse lumière. Moi, je souhaite nous tout bon combat. Restez ferme dans la foi, parce que pas gagner tomber pour monde qui gagne la foi, parce que la foi pourra le permettre que nous exercer autorité nous pour nous triompher sur toute bagaille. Que bon Dieu bénisse nous, passez un agréable nuit. En Jésus. Très, très bien. Merci, pasteur Ali Loubert, l'un des pasteurs de la première église baptiste rue de la Réunion. Port-au-Prince, pasteur conseiller, rue de la Réunion. Merci, nous remercions tout le monde qui était ensemble avec nous. Et puis, le sujet, c'était les évidences fondamentales du bon combat de la vie chrétienne. Merci beaucoup, nous avons tout le monde rendez-vous. Samedi encore, depuis le 9h, tapant si Dieu veut, rendez-vous à ce boy ici avec un autre présentateur pour un autre sujet. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Bye.